Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, dans le Microtech Space Show, on va parler d'un vaisseau et je suis plutôt content parce que je vais réussir à finir tout ce qui était Starter Pack Light. Donc là, on va parler de l'Origin 100i. On va parler de ce petit vaisseau. On n'entend pas beaucoup parler, on ne croise pas très souvent dans le verse. Alors on va voir un peu pourquoi, éventuellement, il est un peu boudé ou laissé de côté par pas mal de joueurs. Et puis on va voir les bons côtés, les mauvais côtés de l'appareil. Hein. Alors aujourd'hui, donc, l'Origin 100i. Alors on va attaquer le plus fastidieux dans tout ça. Ça va être bien sûr les fiches techniques, comme d'habitude. Hein. On n'y échappe jamais. Croyez quand même pas que j'allais passer ça à l'as, hein, quand même. Alors, l'Origin 100i. Il est donc c'est un starter pack. Il est considéré pour exploration de taille S1, conçu pour une personne, avec 2 SCU de cargo selon le site Hercule, avec une résistance totale de 4450 HP. Au niveau de ses dimensions, on est sur du 12 x 19 sur 5 mètres de haut. Ça, je l'aurais pensé plus bas, mais 5 mètres de haut quand même. 48 tonnes environ. Alors, vitesse SCM, alors bien sûr que je le répète à chaque fois, les master modes vont un peu plus tard être implémentés, ces vitesses peuvent changer. Il est donné en vitesse SCM à 210 mètres secondes. Et en vitesse afterburner, il est donné à 1000 mètres secondes. Donc on va voir s'il tient ces vitesses-là. Ensuite, en manœuvrabilité, en pitch, en degrés secondes, il est à 50. Sur les IO, donc gauche-droite, il est à 50 aussi, 50 degrés secondes. Et en roll, donc il est à 195 degrés secondes, ce qui est plutôt costaud. 65 000 litres d'hydrogène. Je crois que c'est un des plus petits réservoirs dans cette catégorie. Par contre, en Quantum Fuel Capacity, il est à 700 litres. Donc on sort un peu des 580 litres qu'on croise habituellement dans les vaisseaux de cette taille-là pour un réservoir plus gros. Et comme le 100i est prévu pour l'exploration, ceci explique cela. Alors, la petite bête, on peut la trouver à 2 endroits différents. On peut l'acheter in-game à Astro Armada à Era 18 sur Arcorp pour la petite somme de 654 000 à UEC. Et on peut la trouver à New Deal à Lorville sur Hurston pour exactement la même somme, hein, 654 000 à UEC. Voilà. Et si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier le prix du Starter Pack. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est vrai que j'aurais pu le regarder avant, ça. Voilà, dans les pledges. Game Package. Alors, le 100i, il est à donc, $78. Et si je bascule le site en euros, combien il va me dire? 78,78 € à l'heure actuelle. En sachant que ça peut très vite changer parce que le dollar et l'euro en ce moment, ça fait un peu le yo-yo. Donc voilà, starter pack du 100i à 78,78 €. Bon. C'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais bon, on va voir, on va comparer. Hein. Alors, ensuite, il est équipé de 2 canons M4A de taille 2. Personnellement, ce genre de canon, comment dire, je m'en débarrasse tout de suite, surtout sur un chasseur, enfin, ce qu'on peut considérer comme un chasseur léger. Il est équipé de 2 missiles Strike Force 2. Donc, niveau missile, hein, ça casse pas 3 pattes à un canard. Alors, on retrouve ce fameux bouclier Web, encore une fois. Ils ont dû avoir un surplus en Web. Les boucliers les moins utiles du verse. Et autrement, en Power Plant, il est équipé d'un Power Bolt et en couleur, donc les refroidisseurs, il est équipé de 2 Arctic Storm. Donc il n'a qu'un seul bouclier et c'est un web. Donc il faut mieux éviter de se faire toucher avec ça. Alors les armes, au niveau DPS, elles sont données pour 554 DPS et 220 en alpha. Normal, ce sont des canons, donc ça frappe assez fort. Pas de tourelle. Les missiles ont des dommages estimés à 4115. Bon, le bouclier donne 1500 HP et 138 en régène. Le vaisseau consomme 1137 points d'énergie, alors que son générateur en fournit 2104, donc ça peut aller. Il produit 63 K de chaleur et son système de refroidissement peut en gérer jusqu'à 400 K, donc là on est plutôt large, hein. Alors en électromagnétique, il est à 8185, c'est un peu haut pour la taille du chasseur, je trouve. Par contre, en infrarouge, il est à 4705, ça c'est plutôt pas mal. Et je vais finir pour le moteur de Quantum, hein, c'est important quand même, c'est un Expédition, donc un bon petit moteur de Quantum, hein, qui permet de faire donc 71 millions de kilomètres, et il permet de faire par exemple Crusader Hurston en 5 minutes 23, ou Microtech Arcorp en 8 minutes 24. Donc de ce côté-là, il est plutôt pas mal, hein, il est plutôt pas mal. Alors, maintenant, revenons à nos moutons. Donc d'aspect, il ressemble donc à ça, hein. On voit que c'est des roues, c'est pas des patins. Il est plutôt profilé, de face, hein, vous voyez, il est plutôt sympa, vu de face, il est très effilé, très élégant. On voit 2 petits ailerons à l'avant, là. Voilà. Et là, on voit la vue arrière. Alors, si j'allume les moteurs, ça donne ça. On voit pas de différence quasiment. Je rééteins. Et si on le voit du dessus, ça donne ça. Alors il a un skin blanc, mais avec le gros logo Origin, hein, qui est bien visible. On voit le pilote, hein, dans son cockpit. Voilà, il a des lignes assez épurées, hein, quand même, faut reconnaître. Bah, c'est Origin en même temps, hein. Élégance, élégance, on sent le luxe un peu, hein. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils essayent de faire ressortir sur ce vaisseau. Il n'est pas vilain. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu l'intérieur. Donc, l'intérieur, voilà le cockpit, hein. 2 écrans. Alors pour moi, ça c'est un gros point négatif. 4 écrans, ça n'aurait pas été de trop. Mais là, on en a que 2. Autrement, ben, il est pas mal. C'est épuré. Ah si, je vois 2 écrans. Un écran là, donc il doit y en avoir un là. Ah oui, il y a 4 écrans quand même. Oui, j'avais peur qu'il n'y en ait que 2. Non, il y a 4 écrans. Donc on a les coms, le self-statut, indication de cible et l'état des boucliers. Avec le soleil, on le voit moyen, hein. Alors voilà, au niveau du champ de vision, ben, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On y voit plutôt bien, hein. Il y a une bonne verrière, c'est bien panoramique. On voit bien ce qui nous entoure. Alors on va aller voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors là, on sent tout de suite qu'on est dans du Origin. C'est sobre, c'est épuré. Donc on a un lit. On a, je crois... Je sais pas si c'est fonctionnel ça, non pas encore. Là on a une petite trappe. Voilà, on a l'accès aux composants. Donc là, on a à droite, on a le bouclier. Là, je pense que ça doit être le... Oui, c'est le power plant. Et en dessous, on a le cargo. On a le bon vieux cargo. Il est plutôt pas mal. Il est plutôt sympa au niveau cargo. 2 SCU apparemment. On testera ça. Hein. Donc là pour l'instant on voit que ça comme composant. Il n'y a que ça pour l'instant en composant. On fera un tour sur Microtech, on fera le tour du vaisseau. Vous voyez, c'est assez sobre. Hein. Alors, on va démarrer la bête. Ok. On va se mettre en vue extérieure. On va décoller. Oh, il décolle, il est sec, hein. Il fait pas semblant quand il décolle. Et là, on va regarder comment se rétractent les trains. Ouais. Très épuré, très simple. Alors, on va prendre de l'altitude. Et on va tester la bête. On va se mettre légèrement en dessous des nuages. Voilà, on vient de passer dessous. On va mettre le limiteur à fond et on va voir à combien il grimpe à fond les ballons. C'est parti. Je n'utilise pas le boost. Hein. Je n'utilise pas du tout le boost. Là, déjà, on est à 400, 410, 413, 416, 418, 420, ouais, 420. Ah, il galope, hein. Il galope, 421. Il est rapide. Il est très rapide, 421, je crois qu'il est à fond. On va utiliser 422. Ah, il monte encore. 423. Surprenant. 425, 426, eh, mais c'est qu'il y va, hein. Et il va nous faire un 430, voilà. 431. 432. Eh ben... Ah, 431. Là, ça y est, il a atteint sa limite. 432. Je vais... Ah, 433. Ah, c'est particulier ce qu'il me fait, là. 434. Ah, 434, il n'en peut plus. Allez, j'utilise les boosts. Allez, on dépasse les 500. 520, 525, 526, 527, 528. C'est déjà pas mal, 528. Hein. Alors maintenant, on va le laisser monter à sa vitesse max sur Clio. Et on va faire le fameux virage à gauche. On va voir comment il se comporte en changement de cap brutal. Là, 423. Ouais, il est à fond. Allez, c'est parti. Oula. Ah, il réagit bien. Il réagit plutôt bien. Bonne surprise. Bonne surprise. Il réagit pas mal du tout. Alors, on va tester autre chose, hein, le fameux virage à droite. On avait remarqué que sur le Buccaneer, il y avait une petite différence quand même. Alors, je vais reprendre un peu d'altitude. Voilà, on va se mettre proche des nuages. Enfin, des JPEG, hein, pour l'instant, c'est pas des vrais nuages pour l'instant. Voilà. 400. 420. 424, 425, voilà, on y arrive. Allez, virage à droite, on casse tout. Je reste accéléré, à fond. Oh oui, il y va tranquille, hein. Il tourne assez bien. Alors maintenant, on va le tester en maniabilité dans les montagnes, tout simplement. Il y a plein de jolies montagnes par là. Ouais, tiens, par là. Alors là, je vais essayer de me caler sur 300. Voilà. Ah, hop, 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 hop. 200. Voilà, 200, 300, 298, c'est parfait. Allez, on y va. Voyons voir comment il se comporte. Là, je reste accéléré. Il suit assez bien. Il suit plutôt pas mal. Changement de cap brutal. Ouais. Il est pas trop mal en le laissant accélérer. Je vais un peu au ras des pâquerettes. Plus c'est bas, moins les moteurs sont efficaces. Mais quand même, on voit qu'il réagit plutôt très bien, à une bonne vitesse, oui, il y va, il fait le travail. Hein. Alors maintenant, on va essayer de le manipuler en jouant avec la puissance des moteurs principaux. On va voir si les thrusters réagissent mieux. Oui, oui. Et quand même là, il devient beaucoup plus souple. Hein. Voyons voir. Oui. Oui, il y va très bien. Il y va très bien. Il se défend pas mal du tout. Ça, c'est une bonne surprise. Ouais, il réagit très très bien. Et là, je reste accéléré tout du long. Et il y va très très facilement. Oui, il se débrouille très bien. Il se débrouille très très bien sur l'atmosphère de Clio. Alors Clio, c'est une atmosphère assez costaud pour une lune, mais quand même. Elle est quand même pas mal, cette atmosphère. Elle est un peu plus résistante que certaines autres lunes. Ça donne un avant-goût de ce qui va lui arriver à Microtech. Il y a un coup de boost. Ah oui, avec le boost, ça repart tout de suite. Hein. Ah oui, dès que vous jouez avec le boost, là, il y va tout seul. Par contre, il fait un barouf dès que j'envoie le boost, là. Ah oui, il rattrape tout de suite. Avec le boost, on rattrape tout de suite la puissance. Hein. Il est assez joueur. Hein. Il est assez joueur. Bah, il se débrouille pas mal. Il se débrouille pas mal, le petit Sanyi. Et ben maintenant, on va aller compliquer les choses. On va aller le tester en atmosphère à Microtech. Hein. Et là, Microtech, comme on le sait, c'est sans appel. Hein. Si ça se passe pas bien, on peut être surpris parfois. Alors on va tester la vitesse max. Ils l'ont dit pour 1000 mètres secondes. On va voir s'il les atteint. 995, on est encore dans l'atmosphère je pense. 999, est-ce qu'il va atteindre les 1000 ? Il a un peu de mal, hein. On va essayer autrement. Là, on a dû largement sortir de l'atmosphère. Allez, je remets la puissance au maximum. Coup de boost. Alors, 999. Il reste bloqué sur 999. Bon, c'est bon à savoir. Alors, si je peux me permettre une remarque, 999 pour un chasseur léger, c'est un peu nul. Imaginez qu'un freelancer qui est beaucoup plus gros, qui fait plus de 250 tonnes, va à 1005 mètres secondes. Donc il peut se faire rattraper par un freelancer. C'est un peu ballot. Au niveau vitesse de pointe, on a connu mieux, malheureusement. Alors, Microtech, ben, il est juste là. Et on va aller essayer de trouver un coin 2 jours pour le tester en atmosphérique sur Microtech. Et là, ça, on va tout de suite voir comment il se comporte. Alors, une petite remarque aussi, hein. On voit que la jauge de carburant hydrogène a un petit peu baissé. Je vais surveiller ça, parce que j'ai l'impression que... Alors, soit il tète, soit c'est comme le... Soit c'est le réservoir qui est tellement petit que ça descend très vite. C'est l'un des deux. On va le voir tout de suite. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien de particulier. Allez, on va aller par là. C'est peut-être éclairé. Ouais, ça a l'air. Allez, on va essayer par là. Quoique j'aurais pu essayer de regarder sur en faisant F2. J'aurais pu regarder en faisant F2, remarquez. Ah non, on a de la chance, il fait jour. On a de la chance, il fait jour. C'est montagneux à souhait par là, ça va être sympa. Alors là, je suis à 10 000 mètres et il est à 420 mètres secondes. Je descends à 8 000 mètres quasiment, il est toujours à 420 mètres secondes. On est toujours à... Ah, il commence à descendre là. Il va arriver à 400 et je suis pas loin des 6 000 mètres. Là, je suis à 6 000 mètres, il est à 385. Ah, il baisse pas trop, hein. Il baisse pas trop. 3000 mètres. Je suis à 330. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, je suis à fond. Propulseur en mode normal, mais à fond. Limiteur au taquet. On va voir. Et, mais c'est qu'il change assez facilement de cap. Là où le Gladius avait un peu de mal à réagir, mais lui se comporte plutôt pas mal. Par contre, à cette vitesse-là, il faut quand même se méfier. Là, je suis à fond, hein, toujours à fond. Alors, voyons voir un peu avec le boost, à combien il peut monter. 300... Allez, il va nous faire un 400. Ah, je pense pas. 384. C'est déjà pas mal, 384. Hein. En atmosphère sur Microtech, c'est plutôt pas mal. Alors, si je change de cap assez brutalement, on va dire... Ben, ma foi... ma foi, il se démerde bien. Hein. Il est surprenant. Il est très surprenant en atmo. Je crois que pour l'instant, de tous les petits vaisseaux que j'ai essayés, il fait partie du top 3, hein, largement. Il est... Ah oui, 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 il se débrouille plutôt pas mal, il est assez précis. Et là, je suis toujours accélérateur à fond. Hein. Par contre, oui, là, je m'aperçois qu'il tète. Hein. Il a soif, le pépère. Ah oui, oui, il se débrouille pas mal, hein. il se débrouille pas mal. On va passer en vitesse SCM. Voilà, je me mets à la limite. Voilà, pile poil. Et là, on va voir comment il se comporte. Est-ce qu'il est beaucoup plus vif, beaucoup plus manœuvrable? Donc toujours accéléré. Hein. Alors il y a un petit temps de retard, mais pratiquement comme si j'étais resté accéléré. Il n'y a pas une grosse différence au final. Et là on est à 170, 180, 190, 180, ouais 190 à peu près. Ouais, il est plutôt pas mal. Hein. Il est plutôt pas mal. Il se manie bien. Bon, là, je suis en couplé. Et en couplé, en général, ça dépend des petits vaisseaux. Mais celui-là, bah franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Manœuvrable, il y a tout ce qu'il faut. Il est plutôt manœuvrable. Alors, on va éviter de taper dans les arbres, quand même. Ouais, tant qu'on est en SCM, il est très très manœuvrable, il est très sympa. Très très sympa. Bonne découverte. Ouais. Il est plutôt sympa. Alors voyons, tiens, on va peut-être faire un petit roll à gauche, on va voir comment il se comporte quand on fait ça. Alors là, je reste accéléré. Et le roll, il arrive à le faire. Ouais, il force un peu quand même. Hein. Par contre, dans l'espace, il doit être beaucoup plus réactif. Ouais. En atmo sur Microtech, les rolls, il n'aime pas trop. Non, mais c'est qu'il est pas mal du tout. Hein. Il est pas mal du tout. Alors maintenant, on va aller voir, on va trouver un avant-poste et on va tenter de mettre du cargo et on va vérifier qu'il y a bien 2 SCU de cargo. Parce que les indications parfois d'Hercule ne sont pas toujours très très correctes. Donc on va aller vérifier ça. Là, on voit les réacteurs hein, qui crachent au maximum. Ils montent plutôt bien. Ah, il monte plutôt pas mal. Hein. Il fait là des bonnes perfs quand même. 991. Et on est à 42 000 mètres, ouais, 42 000 mètres d'altitude, 46. Et il est quasiment à fond. Là, il est à 997. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Ouais, il est à fond là. 999, il va les faire. Et en atmo, hein. Sortie d'atmo, il les fait. 999. Ah, ouais, voilà, il est fait. Et on est à 64 000 mètres. On n'est même pas encore sorti de l'atmo. Ouais, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Alors, on va essayer de trouver maintenant un avant-poste. Data center, non, non plus. Ça doit être de l'autre côté, alors on va par là. Voilà, SMO18, allez, ça sera parfait. On va essayer de lui charger des caisses, on va voir combien on peut en mettre. C'est parti. Ah, les rentrées atmosphériques, il les fait plutôt bien. Hein. Ah, quand je mets le boost, j'ai l'impression que toute la carrosserie va se disloquer. Non, il y va très bien. Il y va très bien. On va éviter de faire des bêtises. On va ralentir. Voilà, on se remet en vitesse SCM. En tout cas, il freine très bien aussi. Hein. Je viens de remarquer ça. Niveau freinage, il n'est pas dégueulasse. Hein. Par contre, il y a un truc qui est bizarre. Alors là, ça doit être un bug du modèle. Hein. Les gouttes de pluie qui vont dans le sens inverse du déplacement du vaisseau. Là, il y a comme un problème de physique. Hein, il va falloir m'expliquer. Oui. Et si je pars dans ce sens-là, juste par curiosité, et là, ça part dans... Oui, c'est inversé. Il y a un petit problème, messieurs les développeurs. Votre vaisseau, là, il a comme un souci technique, là. Allez, on va se poser tranquillement. Voilà. On va en profiter et voir si on peut faire le plein. Pili, pili. Oui. Ah, j'ai vu 21 UEC d'entretien. Donc, quand on le pousse un peu, il y a quand même un petit peu de pognon en entretien, mine de rien. Parfait. Tout est bon. Et ben, c'est parfait. Allez, on va voir un petit peu dehors comment il est foutu. On coupe les moteurs, on laisse les boucliers et on va jeter un œil. Donc pour sortir, bah, l'interaction ici sur l'écran. À Origin quand même ils font bien les choses, hein. Petit escalier. Hein. Pour pas qu'on ait à sauter. Alors, le petit écran pour refermer, il est là. Ça, c'est pas mal. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose ici. Oui, le Quantum Drive. Vous avez un composant, vous avez le Quantum Drive qui est juste ici. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Donc l'avant du vaisseau. On va refermer. Ah, je ne vais plus fermer. Ah, est-ce que j'aurais pas une 30K en cours? Ah, on vient peut-être de trouver un bug intéressant sur le vaisseau, là. Ah, 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 ah. Pas bon signe, ça. Oui, ça sort la 30K. Ah, ah. Bon, on va essayer d'aller à l'avant-poste. Ça sent la 30K bien dégoulinante, ça. J'espère que je vais pouvoir faire interaction avec les écrans. Ça m'évitera d'avoir à revenir. Ah non, mais zut, c'était pas là. Ah! Je sais qu'elle est... Ah, c'est là-bas. Vite, vite, vite. Et oui, j'ai même pas regardé le mât. S'il y avait le mât avec les lumières jaunes. Voilà, c'est bien celui-là. Le petit mât, là, avec les 4 lumières jaunes. Ou orange, au choix. Ça dépend de... Ça dépend des planètes et de la lumière. Ah, voilà. Alors, on va tester. On va espérer que ça plante pas. Donc, lui, vous voyez, Select Location Origin 100i. Et il me marque 2 SCU. On va essayer avec de l'agriculture. 2 SCU maximum. Donc, on peut bien mettre 2 SCU dans le vaisseau. Je vais les prendre. Hop. Et on va voir si on le voit dans le cargo. Allez, regarde un peu. J'ai pas choisi l'avant-poste le plus sympathique au niveau météo. Hein. Alors, voyons voir. Est-ce que là, du coup, t'es décidé? Non, toujours pas. Non, il veut pas. J'espère que je vais pouvoir monter à bord. Oui, ça, ça fonctionne. Alors, il y a peut-être un bug au niveau du panneau, là. Oula. Eh oui. On va monter doucement, là. Ah bah oui. Voyez. On voit les 2 caisses. Donc, c'est bien la zone de cargo avec 2 SCU. On peut mettre 2 caisses dans cette petite trappe-là. C'est plutôt sympa. Après, 2 SCU, ça va pas bien chercher bien loin. Hein. Mais pour les missions delivery, vous pouvez mettre 2 colis à l'intérieur et puis un troisième qui traîne par là. Ça évite de manger trop de place. Ouais, c'est pas mal. Alors maintenant, eh bien, il nous reste 2 choses à faire. Bien sûr, c'est un vaisseau d'exploration. Mais bon, dans l'exploration, parfois, il peut y avoir des risques... Hein. Il peut arriver des situations lors d'une exploration où vous tombez sur quelque chose de pas très sympathique. Hein. Et donc, eh ben, on va tester ça. Est-ce qu'il est capable de se défendre, tout simplement? Eh ben, on va tester ça. Alors, on va sortir. On va aller chercher d'abord du combat spatial. Et après, ben, on va le pauvre, on va le malmener avec du combat atmosphérique. Et sur Microtech, en plus. Pour ne rien gâcher. On va regarder ça. On va voir comment il se comporte en cas d'attaque, comment il peut se défendre. On va voir ça tout de suite. Donc j'ai deux Strike Force et j'ai deux canons taille 2 M4A, canon laser. Il n'y a plus qu'à espérer que... Alors les M4A c'est des taille 2. Et bonjour. Et donc on va voir comment ils se comportent. Bah ça va, ça va. On va voir comment ils se comportent. Tout simplement. Alors, on va sortir de l'atmo. On va sortir de l'atmo directement. Ah, bah tiens, je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il me l'a accepté? Oui. On y va. Alors là, c'est une moderate. Quantum Beacon, ouais, on a l'air d'être bon. Allez, on va tout de suite voir. Oui. Alors, c'est qui des gens? Ah, il y a du méchant par là. On a un Drake Cutlass Black. Ah, c'est pas du petit, ça. Eh ben, tant pis, on attaque, hein. Il m'a repéré. Allez, on lui en envoie un, histoire de le mettre de bonne humeur. Ouais, il est touché. Allez, on l'agresse. Oh, des synchros. Mais ma foi, c'est qu'il se débrouille, le pépère. Oh. Bon, clairement, les canons, c'est pas des armes que je conseillerais sur ce genre de vaisseau. Des repeaters, ça serait quand même beaucoup mieux. Voilà. Allez, c'est toi qui agresse les honnêtes citoyens ou un Valkyrie? Ah bah j'ai pris que du simple. On est en train de te tailler un joli costard, mon gars. Oula. Il se défend, hein. Voilà. Allez, j'ai sabre comète. Est-ce que t'es un gentil, toi? J'ai un doute. Ah, il y a quelque chose là-bas. T'es un gentil ou t'es pas un gentil, toi? En tout cas, il se défend. Le 100i se défend. Mmh. Ah oui, je m'en doutais que tu étais une bonne tête de champion, toi. Trop tard, mon gars. Ah! Voilà. Il a réussi à me toucher quand même. Comme quoi les IA, faut pas les prendre trop pour des faux folles. Hein. Alors on va se rapprocher de Microtech et là on va faire la dernière opération. Ça va être le combat spatial. Le combat atmosphérique, pardon. Donc on a vu qu'ils se débrouillaient plutôt pas mal. Ils se débrouillaient plutôt pas mal en combat spatial. Et là, on va voir en combat atmosphérique s'il arrive à s'en sortir. Ce qui n'est pas forcément gagné. Hein. On a vu qu'il était quand même agile dans l'atmosphérique. Mais on a vu aussi là que quand je me suis pris une salve, les boucliers ont été facilement pris à défaut. Donc on va voir, on va vérifier. On peut parfois être surpris. Alors, on va prendre une MRT, par exemple. Je dois en avoir une qui traîne par là. Voilà, MRT, parfait. Comme ça, il va tomber sur des chasseurs plus ou moins de son gabarit. Ah, j'avais pas fait gaffe. C'est pas la bonne place. Alors, attendez. Hop, on va refuser. On va refuser l'engagement. Non, c'est à Microtech que ça m'intéresse de l'avoir, le combat. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder le lieu MRT. Microtech, voilà, là c'est bon. On prend. Et en plus on est chanceux, c'est 2 jours et c'est pas loin. Il trade à 49 000. Pas très intéressant. Alors, j'ai pas pris le call to arm. D'ailleurs, je pourrais le prendre maintenant, tant qu'à faire. Pas pris le call to arm, mais à chaque fois, bien penser à prendre le call to arm. Hein. C'est du bonus. Et donc, on va aller voir les joyeux loustiques. On va mettre un peu le turbo. 24 km. Alors, je vais utiliser ma bonne vieille tactique. Je vais m'approcher, je vais me faire repérer. Je vais les forcer à me poursuivre. Je vais prendre de l'altitude, de façon à avoir le maximum de manœuvrabilité. Puis arrivé à 7000 mètres environ, ben là je bascule et j'attaque. Voilà, on les voit déjà. Là on a quoi? On a du Cutlass Black. Oh, c'est un peu gros ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est pas prévu ça. Il y a un joueur. Embêtant. Bon, bah tant pis. Hein. C'est un peu le bordel là. Je vais remonter. Ah, voilà. Ouais, 5000, c'est bien. Salut mec. Les joueurs, hein, le petit. Ouais, on va changer de cap là. Ouais, ils se débrouillent. Ah. Mustang. Ah. J'ai perdu tout le monde. Ah tiens. Ah oui, j'ai battu le leader. J'ai abattu le leader. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon. On va en faire une quand même. Pour avoir un... C'était pas prévu là, le joueur sur le bunker à côté. On va en refaire une. Voilà, on va trouver un avant-pas, un petit OM qui traîne dans le coin. Voilà, juste là. On va en refaire une quand même. Mais j'ai trouvé qu'il se maniait pas mal du tout. Bon là, le combat était un peu biaisé. C'était un malheureux Cutlass, qui est quand même assez agile dans l'atmo, mais quand même, face à un petit chasseur comme ça, il partait un peu perdant. On va essayer de trouver quand même, retrouver une... non, Bounty Hunter, une MRT, le TERP, non. VLRT, c'est la Calliope. HRT, ah, HRT, elle est, non, Terp aussi. Ah, ils ont tout fait sur, il n'y a plus rien, Microtech, aujourd'hui. Clio. Alors, il y a peut-être une Calliope, non, ça ne m'intéresse pas. Je vais l'accepter, je vais la refuser. Voilà. Ah, non, elle a dû être prise, peut-être. Ça a pas l'air. Ah. HRT, contrat accepté de MRT, voilà. Alors là, je vais la refuser. Abandon. Voilà. Il va peut-être m'en proposer une autre sur Microtech. Poste Calliope, non, j'ai pas envie d'aller à Calliope, c'est pas intéressant Calliope. Brexit. Ah ah, faudrait qu'on trouve une. Et toujours quand on en cherche, qu'on a HRT, le TERP aussi, LRT à 5000, ah bah allez, hop. On va se contenter de ça, hein. Et LRT, il va y avoir deux vaisseaux à abattre. On va essayer de ne pas abattre le leader en premier. On va surtout essayer de ne pas abattre le leader en premier. On se croirait dans les Alpes. Un Avenger Stalker. Je sais pas quoi. Alors par contre l'écran a Gladius. Oula. Et un Eclipse. Ouh, ça va être chaud pour moi ça. Allez, on monte. On monte, on monte, on monte. Ils ont pas envie de me souhaiter la bonne année, hein. Allez, on monte aussi. Voilà, 6000, 7000. Et là, on va venir leur dire bonjour. Oui, on va s'occuper de l'Eclipse en premier. Ouh. Ma foi, il se débrouille très bien, notre mot, hein. Et par contre, eux aussi, j'ai l'impression... Hop, 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 hop. Mon armement a beaucoup de mal à en venir à bout. Ah là 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 là. Oh là là. Allez, mets le turbo. Allez, monte, 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 monte. Voilà. Il a du mal, hein. Là, je le pousse dans ce dernier retranchement. Oh, vache. Ah, puis les armes, les deux S2, là. Je te lâche pas, mon gars. Je te lâche pas du tout. vache. Et puis alors les désynchros, ça aide vachement. Ah, quand même. Non, c'est pas toi que je vis. Ah bah ils m'ont eu. Eh oui. Quand ça dure trop longtemps, quand ça dure beaucoup trop longtemps, ben voilà ce qui arrive. Les canons M, j'ai qu'un mot pour les nommer. Les plus grosses bouses du Verse en matière d'armement. Je déteste ces canons, mais à un point. Je vais peut-être faire une pétition pour qu'on les vire. Ils servent à rien. Plus inutile que ça, comme arme, il n'y a pas. Je crois que je préfère encore les Mass Drivers en comparaison. Alors... Ah... Quelle idée de foutre des canons M. Mettre des Omnisky à la limite, oui. Mais ça... Alors, ils sont jolis. Enfin... Question de point de vue, ils sont jolis, mais pour les niveaux efficacité, on repassera. Hein. Là, du coup, j'ai pas eu le leader. Là, il faut que j'aille finir le leader. Alors, c'est une bonne occasion de voir le claim. Combien de temps ça prend? C'est par là? Ouais, c'est par là. Hop, on va voir combien de temps ça prend à le claimer, combien ça coûte. Bon, normalement, un 100i, ça doit pas être bien long. Hein. Ah, mais l'armement, là, les canons M, il va vraiment falloir qu'ils fassent quelque chose pour ces canons, là. C'est une horreur. C'est une horreur, ces canons. Alors là, par contre, c'est un vaisseau que j'ai pris d'origine. Hein. Je l'ai acheté tel qu'il est. C'est pour bien montrer aux gens, quand vous l'avez acheté, il est comme ça d'origine. Ah bah c'est rapide, hein. En claim, ouais. 1 minute 5, ça va. Elle est sympa cette armure, ça fait limite des mineurs. Et sérieux, il bouge pas. Hein. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Thank you. Ah bah il s'est décidé en même temps que moi. Allez, 28 secondes. Thank you. Comme quoi, une malheureuse VLRT, ça peut donner des surprises parfois. Allez. Quel hangar? Dis-moi tout. Hangar 01. Hangar 01. Là, la trappe est refermée. Il faut vraiment s'en approcher. Hein. Ah oui, voilà. C'est bizarre que ça soit pas interactif ici, là. Enfin bon. Allez, 100i, la revanche. On a réussi à abattre l'éclipse, mais il en reste encore pas mal. Oh, il est nerveux au décollage, hein. Oh, oh, oh. Ouh, le vilain. Ah, par contre, en roll dans l'espace, oui, il y va davantage, là. Hein. Il est beaucoup plus joueur, hein. Oui. Je reviens. Mais revoilà. Allez, 261 mètres secondes. Ça devrait le faire. On va accélérer un peu. On va accélérer un petit peu la manip. Ouais, 270, ça devrait pas être mal. Donc là, on a l'Avenger Stalker, le leader. Et il était où son petit pote là qui m'a attaqué, qui m'a rentré dedans méchamment là? Oui. Ah, il est là. Le Gladius. Tu m'excuses si on discute un peu tous les deux? Hop, 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 hop. Oh. Ah, il arrive maintenant. Ok. Allez, on va s'occuper de toi, leader. Allez, prochain passage, toi, je te termine. Ah non. Ok. Bah, quand on fait un peu plus attention à ce qu'on fait, ça va. Ça se passe pas trop mal. Il se débrouille pas mal. Alors, il m'a semblé qu'il y avait un avant-poste dans le coin. Hein. Ah oui, tiens, les railleries, toujours une valeur sûre. On va voir pour combien je m'en tire de réparation. Ah, je suis pas assez haut. Zut. Allez, on monte. Voilà, là on est assez haut. À fond. Alors, 8000 mètres. On va voir comment il freine. On va voir comment il freine, le père. Hop, on stoppe tout. Ah, en atmo, ça va. Ça va. Il est pas mal. Il est pas mal. Ah, mais je me disais, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il n'y en ait pas une par là. Et on va voir pour combien on en a de réparation. Alors, réparation. Oh bah 18. Donc en fait c'est mon bouclier qui clignotait. Là c'est juste de la maintenance. Hein. Quand on est en dessous des 30 à UEC en général c'est de la maintenance. J'ai pas eu aussi les leurres, j'ai utilisé quelques leurres. Par contre en hydrogène il est plutôt économique. Hein. En quantum, bah, tous ces vaisseaux là en général ça coûte pas des milliers des cents. Non, il est plutôt pas mal. Alors. Voilà, il a réparé. Ah, il a quand même fait des réparations. Il m'a marqué 18 AUC de réparation, mais il en a quand même fait sur un peu partout. Ça doit être la peinture qui a dû prendre une claque. Ou alors il y a un bug quelque part. Parce qu'il m'a bien semblé qu'à un moment, il m'avait touché assez méchamment. Ouais, il fait beau, là. Ah, moins 18, c'est l'été à Microtech. Ah. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Ah si, ça y est. Donc là, j'ai laissé les moteurs allumés. Donc là, on voit quand même, hein, donc les canons, les deux taille 2, les M4A. On dirait des lances de chevalier pour les joutes, hein, c'est un peu particulier comme design. Je suis pas fan, moi, hein. Très clairement, je suis pas un amoureux de ces canons-là. Ah, qu'est-ce que c'est, ça? On peut faire interaction avec? Non, on peut pas. D'ailleurs, j'ai pas pensé à regarder. On avait le bouclier, le power plant, on avait le quantum drive. Est-ce que parfois il peut y avoir autre chose? Non, on dirait pas. Je vérifie quand même, on sait jamais. Ah, c'est vrai. J'avais oublié d'en parler. Le 100i peut créer son propre carburant. Alors, je ne sais plus si c'est le quantum et l'hydrogène, mais il fait soit l'un des deux, soit il fait les deux. Et oui, c'est vrai, il est prévu, comme ça, un vaisseau d'exploration, il est prévu pour se régénérer lui-même en carburant. Donc il suffit d'être dans l'espace et normalement à une certaine vitesse, je crois qu'il faut dépasser... Ouais, c'est Feel Good, c'est l'hydrogène, hein? Ouais. Salut Feel Good, tu vas bien? Donc ouais, c'est l'hydrogène. Ah, j'avais complètement oublié ça, oui. Il refait son... Eh bien, il refait son hydrogène, normalement. Et le Quantum, non, hein? Pour le... Comment? Tout ce qui est Quantum Drive, il le fait pas. Ah ben tant mieux, si ça va bien, ça va bien, alors tant mieux. Et donc voilà, ben, le 100i, pour résumer, c'est un vaisseau d'exploration, hein, on peut dire ça comme ça. Il est fait pour de l'explo, donc. Mais, à mon avis, ça doit pas être de l'explo très poussé. Il doit avoir certainement des scanners ou des choses comme ça. C'est plutôt le vaisseau qui fait partie d'une flotte ou d'un vaisseau plus gros et qu'on envoie sur une planète pour aller visiter. Par contre, le souci, c'est que le bonhomme est tout seul. Quand on part sur une planète et on descend à la surface, mieux vaut être à 2 ou 3. Je pense que l'avenir, ça sera plutôt... ça, 2 ou 3 pour descendre. À mon avis, celui-là, il est peut-être aussi pour partir en éclaireur dans l'espace, dans les champs d'astéroïdes un peu épais, là où, par exemple, un Karak ne pourrait pas aller, et se faufiler dans les champs d'astéroïdes pour aller inspecter, voir ce qu'il y a. Je pense qu'il doit être un peu conçu comme ça, à la base. Il doit être conçu pour ça. Il est fait pour les quartiers chics. Vous voyez aussi, hein. Bah, c'est l'exploration classieuse, on va dire. Hein. C'est d'exploration classieuse. Ah, il n'est pas vilain. Il faut lui reconnaître quelque chose, c'est qu'il est stylé. Il a un petit côté Audi au niveau des phares. Ça peut faire penser aux Audi. Bon, il faut dire que c'est le studio allemand qui fait les origines en général. Mais ouais, il est sympa. Il est sympa. Après, en combat, ben, c'est pas trop son fort. Il se défend, hein. Il se défend. Mais on sent bien que, bon, avec l'armement qu'il va avoir, je crois qu'on peut mettre du S3 dessus. Je crois qu'on peut mettre du taille 3 en fixe, il me semble. Je crois que j'ai vu ça tout à l'heure sur Hercule. En fixe, ça peut être plus sympa. Mais bon, les taille 2, si c'est pas des gros chips, ils arrivent quand même à faire le travail, hein. Il est quand même assez fragile, hein, pour l'instant. Après, à voir ce que ça va donner quand ils vont implémenter les armures sur les vaisseaux. Enfin, les résistances de coque, on va dire. Il peut faire de la longue distance. Il a un réservoir de quantum qui lui permet de faire quand même des distances assez longues. On peut monter à 2 dedans. Un pilote et un gars qui s'assoit ou qui se couche sur le lit. On peut monter à 2. Il y a une possibilité, voire même à 3 peut-être. Ouais, il est pas mal. Le 78 € pour ce vaisseau-là, par contre, je suis un peu partagé. Ça fait un peu cher. Mais bon, il est plus élégant qu'un Aurora, il est plus manœuvrable que l'Aurora. Il a, bon, un cargo, mais ça, l'Aurora là aussi. La chambre, on compare, ouais. Au niveau du prix, je suis mitigé. Je suis mitigé. Je trouve que c'est peut-être un peu cher. Alors, je pense qu'ils nous font payer la marque aussi, hein, bien sûr. Ils nous font payer la marque. Mais quand même, 78 € pour un gars qui veut débuter, 54 € en starter. Là, oui, c'était quand même moins abusé, on va dire. Hein. C'était quand même moins abusé de le faire à ce prix-là. T'as tout à fait... Ouais, merci pour l'info, d'ailleurs, hein, Phil Good. Merci beaucoup. Mais, ouais. Après, bon... Ouais, c'était une très bonne affaire. Et là, maintenant, quand tu vois le prix actuel, qu'est-ce que t'en penses? Ça te ferait réfléchir, toi, si tu le vois maintenant à ce prix-là, ça te fait hésiter, ou pour ce prix-là, ça vaut pas la peine? Moi, je comprends que ça puisse rebuter du monde. Hein. Après, oui, il est sympa. Ah bah oui, il y a ça aussi qui joue en ligne de compte. Hein. L'euro et le dollar, en ce moment, c'est pas la joie. Hein. Ah, il faut voir. Faut voir. Ça peut être un starter pack pas trop cher, mais quand on voit que pour le même prix, on peut en avoir un Avenger Titan qui offre des possibilités un peu supérieures quand même. Ah oui, la TVA, oui. Faut essayer de gratter la TVA, oui. Mais au même prix, quasiment, t'as l'Avenger Titan qui fait tout aussi bien, voire même mieux. Il est plus rapide, il peut mieux se défendre, tu peux même rentrer un petit véhicule dedans pour te déplacer, tu peux rentrer un Grey 4 PTV. Quoi, l'Avenger Titan? Ah, moi je rentre un Grey 4 PTV dedans. Ah, le Grey 4 PTV, il rentre, on l'a rentré. D'ailleurs, tu peux regarder, j'ai fait une vidéo, on le rentre dedans, hein, et on arrive à sortir du véhicule. Hein. Le petit Grey 4, hein, pas le STV. Hein. Ah, dans un Titan, oui. Le Grey 4 PTV, il rentre dedans. Et je l'ai rentré en marche arrière, en plus. Ah ouais, tu regarderas, bah, tu verras, j'ai fait une vidéo sur YouTube où il est... On teste l'Avenger Titan, et tu rentres le petit Grey 4, le PTV, hein, tu sais, le truc de golf qu'il va y avoir pour les courses, là. Il rentre dedans, hein. Faut bien serrer à droite, et hop, tu peux rentrer et sortir dans le véhicule. C'est plutôt pratique quand tu veux faire du minage à pied ou des choses comme ça, tu peux te déplacer assez loin du vaisseau, quoi. Ah oui. Ok. Mais ouais, il est... Celui-là, pour le même prix, franchement... je suis pas sûr que je le prendrai. Il est joli, il est plutôt agile. Alors il est plus agile que l'Avenger, là c'est clair. En Atmo, il se comporte nettement mieux. Mais à choisir, je prendrais plutôt l'Avenger Titan que celui-là. À prix plus ou moins équivalent. Alors après, bon, c'est vrai qu'en Atmo, il est agréable à utiliser. En Atmo, il est très agréable à utiliser. Ah, et dis-moi, lequel? Qu'est-ce que tu remarques comme autre avantage? Ah, oui, c'est vrai. Je fais bien de le préciser. Oui, c'est vrai que dans un avant-poste, on peut l'appeler d'un avant-poste. D'ici, je pourrais l'appeler. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on va tester. On va le tester, tant qu'on y est. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Alors, faut vraiment être proche de l'écran. Voilà. C'était par où? C'est par là, je crois. Oui, je le vois, c'est là-bas. Donc normalement, si je l'appelle, je dois le voir arriver sur un de ces deux mini-pads. On va tester. C'est vrai. Tu fais bien d'en parler. Oula. Alors. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Origin 100i. Claim. Oh. Oui, oui, bah on va le sortir tout de suite. Hein. Ok. Allez, 100i. On va voir si ça marche. Normalement, oui. Hein. Et voilà. D'un avant-poste, vous pouvez appeler le 100i, comme le Talon, comme le P6, le M50 aussi, je crois. Et voilà. Ça marche. On peut l'appeler. Ah, merci pour la précision, feel good, j'allais oublier ça. C'est vrai, en plus, on en avait parlé il n'y a pas longtemps avec les potes. J'avais vu le Talon, qu'on pouvait appeler ici aussi. Le C8, qu'est-ce qu'il y a encore? Le M50, il me semble. Il y en a 4 ou 5, hein, il me semble. Ah, il fait meilleur ici quand même. Hein. Alors on va vérifier qu'on puisse décoller avec. Hein. Qui n'est pas sûr à 100%. Des fois, SC nous laisse des petites surprises. Et il décolle. On va décoller. Ah, par contre, il décolle sec. Hein. Il fait pas semblant quand il décolle. Hein. C'est parti. Et bien sur ce, voilà, on a parlé du 100i, on a parlé du prix, on a parlé de ses avantages et ses inconvénients. Après, c'est à vous de vous faire une idée hein, sur l'engin. C'est vrai qu'il peut être intéressant. Personnellement, à mes goûts, non. Mais il peut très bien faire l'affaire. Ça peut être un coup de cœur pour un nouveau joueur, par exemple. Faut voir. Il y a le pour et le contre, hein. C'est comme tous les vaisseaux dans Star Citizen, ils ont des avantages, ils ont quelques inconvénients. C'est à voir. C'est à voir. C'est à vous de vous faire une idée maintenant. Après, pour ceux qui veulent vraiment le tester, l'IAE c'est l'idéal pour ça. Hein. Vous pourrez le pendant au moins 24 heures, voire peut-être 48 heures. Je ne sais pas combien de temps vont durer les locations, ça dépend, ça peut être variable. En général, c'est 48 heures de location. Bah, vous pourrez en profiter, le tester un peu sous toutes les coutures pendant l'IAE. Mais ça peut être un vaisseau plus ou moins intéressant. C'est stylé, quoi. Si vous voulez donner une identité à votre personnage, voler dans un vaisseau comme ça, ça peut le faire. Mais personnellement, si j'avais à choisir, à prix égal, je prendrais l'Avenger Titan, je pense. Malgré que l'Avenger Titan ait laissé quelques plumes dans les derniers reworks, dans les derniers modèles de vol aussi, il a laissé quelques plumes, mais je pense que je prendrai quand même l'Avenger Titan à la place, même s'il est esthétiquement à l'intérieur moins joli, moins sobre, on va dire. À prix égal, il est mieux armé, l'Avenger. Pour se défendre, c'est quand même important. 50,50 € sans TVA, ouais. Ouais. Ça peut être un argument qui joue. Ça peut être un argument qui joue. Enfin voilà. Donc ben, je vous ai fait la petite présentation du 100i de chez Origin. Je vais certainement restreamer ce soir. On va faire une émission plus classique. Je vais voir s'il y a des collègues. Je vous cache pas qu'en ce moment, un peu tous mes collègues sont en attente de la 3.17.4, la 3.17.3, ils sont, je crois qu'ils l'ont un peu poncé dans tous les sens, donc ils attendent la 3.17.4 et puis l'IAE. On a prévu de faire quelques bêtises d'ailleurs à l'IAE, on a prévu de tester tous les gros vaisseaux du jeu et de les amener sur le... Eh oui, J-4, tout à fait, feel good. Et on a prévu de tester tous les gros vaisseaux du jeu, de les amener sur le circuit qui est sur Clio et de faire ça, les piloter en mode course. Imaginez un 890 ou un Reclaimer en mode course dans le circuit de Snake Peak, ça risque d'être assez particulier. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée, un bon début d'après-midi, et puis pour ceux qui sont intéressés, ben, je reprends ce soir vers 19h, 19h30 environ. Peut-être cet après-midi, mais là j'ai pas encore établi de programme, peut-être cet après-midi, c'est pas impossible. Je vous souhaite une bonne journée, et on se dit à bientôt. À ciao ciao tout le monde! Thank you.